Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va parler des corps gras en cuisine. On vous parle beaucoup de types de gras. On a les monoinsaturés, dont les oméga 9, qu'on va retrouver dans l'huile d'olive, le canola, la noisette, les noix, les graines, les avocats. On va aussi vous parler de polyinsaturés, dont les oméga 3 et 6, qu'on va retrouver dans les huiles de tournesol, de maïs, de cartame, de soya, de lin. Et on a les huiles saturées et trans. Je les ai mis dans une même équipe parce que je trouve que c'est deux gras qu'on aime moins en nutrition. On va les retrouver surtout dans l'huile de palme, de palmiste, de coco, de beurre, les gras animaux, par exemple le suif ou le saindoux. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les gras sont composés d'une association de tous ces types de gras-là. On les classifie selon leur prépondérance. Moi, dans mon jargon de cuisinière, j'aime bien classifier mes gras très différemment de ça. Alors, je les classifie, je vais dire, les gras végétaux. Donc, les gras qui viennent des céréales, par exemple, le canola, le maïs, les gras qui viennent des légumineuses comme le soya, les arachides, les huiles qui viennent du lin, du pépin de raisin, du cartame, du palmiste, ça, ce sont les huiles qui proviennent des grains. Et j'ai les huiles aussi de légumes qui proviennent, par exemple, de l'olive, de l'avocat, du palme, du coco. Dans les gras végétaux, il existe aussi des gras qui sont transformés. Alors, il y a la margarine et le shortening qui sont habituellement un amalgame de ces gras-là. Dans les gras animaux, alors, on a le beurre, le saindoux, communément appelé le tender flake, le suif, comme le suif, on le voit moins en cuisine maintenant, mais on le voit surtout comme nourriture pour les oiseaux, où est-ce que toutes les graines sont collées dedans. Et il y a aussi l'huile de poisson. C'est moins fréquent qu'on cuisine avec l'huile de poisson, mais on le prend souvent en complément alimentaire là, pour venir améliorer la concentration et tout ça. Si vous choisissez de faire une huile aromatisée avec des herbes fraîches que vous laissez dans votre huile et que vous laissez ça sur le comptoir, c'est maximum une journée sur le comptoir, 3 jours au frigo. Il est possible de faire des huiles aromatisées en les faisant chauffer nos huiles. Il y a une technique sur le poêle que moi, je n'aime vraiment pas parce que je la trouve dangereuse. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une huile aromatisée faite au four. Pour l'huile aromatisée, aujourd'hui, on va utiliser 1 tasse d'huile et 2 cuillerées à soupe d'aromates. À l'occurrence, aujourd'hui, 1 petite gousse d'ail, du basilic et du thym. Alors, pour l'huile aromatisée, on va la faire simplement en choisissant des beaux ingrédients frais aromatiques qu'on aura nettoyés comme il faut. Il y a un risque de botulisme qui est là et très présent. Le botulisme, lui, cette bactérie-là, elle aime se développer et produire des toxines quand elle n'a pas d'air, quand elle a de l'eau. Alors, quand on met une fine herbe qui contient de l'eau et qu'on la met dans l'huile, le botulisme, il devient fou comme de la merde parce qu'il y a toutes les conditions pour se multiplier et produire des toxines et les toxines sont vraiment nocives pour nous. Donc, on va prendre 1 tasse d'huile d'olive et on va rajouter des aromates à raison de 2 cuillerées à table. Ce 2 cuillerées à table-là représente 1 unité. Si vous mettez 4 cuillerées à table d'aromates, vous êtes à 2 unités. Et si vous avez 6 cuillerées à table d'aromates, vous êtes à 3 unités. Toujours des aromates frais. Okay? Quand on rajoute des aromates secs, ça n'a aucune incidence. Alors, à chaque fois que vous allez ajouter plus d'aromates, vous allez devoir modifier le temps de cuisson de l'huile.
Alors, je vais juste mélanger doucement, comme ça. Et je vais déposer ma tasse dans un contenant ou une assiette à tarte, dans le fond, pour stabiliser la tasse, pour pas qu'elle bouge dans le four. Et je vais envoyer ça au four à 300 degrés pendant 1h20. Si vous avez ajouté 2 unités d'aromates, c'est-à-dire 4 cuillerées à table d'aromates, vous allez mettre ça dans le four pour 1h40, toujours à 300 degrés. Et si vous avez ajouté 3 unités d'aromates, vous allez mettre ça 2 heures au four. Alors, vos 3 unités d'aromates correspondront à 6 cuillerées à table d'aromates frais. Compte tenu du temps de cuisson, vous comprendrez que j'en ai fait une recette avant le tournage. Alors, quand l'huile, elle est prête au four, qu'elle a fait son 1h20, 1h40 ou 2 heures, vous la sortez du four, on laisse tiédir pendant une demi-heure environ. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la filtrer à travers un filtre à café pour enlever justement tous les aromates. Pendant que ça s'écoule doucement, vous allez constater que les aromates que j'ai mis dedans sont devenus vraiment craquants. Et puis, que l'ail ici, elle a comme confit. Elle est dure, dure, dure. Si vous voulez que votre huile soit belle puis que vous voulez qu'il y ait des aromates dedans, vous pouvez soit laisser les aromates que vous avez fait cuire au four ou bien ajouter des aromates séchés dedans. Pas d'aromates frais, des aromates séchés dedans. Vous allez pouvoir le garder comme ça jusqu'à 4 semaines au frigo sans aucun problème. Les corps gras en cuisine. Il faut savoir que dans les lipides, pour 1 g de lipides, on a 9 calories. Ce qui veut dire que dans une cuillerée à table d'huile, c'est-à-dire environ 14 g, il y a 126 calories pour les huiles et les gras. Si on parle du beurre, comme le beurre contient un petit peu d'eau, on parle plus de 100-105 calories par cuillerée à table. 97 % des gras que l'on consomme sont stockés dans l'organisme et c'est absolument nécessaire pour l'absorption et les réserves de vitamines A, D et K. Et aussi, c'est une source d'énergie, c'est une réserve calorique très importante. Les graisses stockées dans notre corps ont aussi la fonction de maintenir notre température corporelle. C'est aussi une protection pour nos organes vitaux et le maintien en place de nos organes dans l'abdomen. Les lipides sont absolument essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Alors, c'est essentiel pour le développement et le maintien des facultés cognitives, la concentration et tout ce qui cognitivement nous fait réfléchir, le développement et le maintien du système immunitaire, le développement et le maintien du système nerveux, le développement et le maintien du système hormonal. Ça, ça a un gros impact sur le bien-être mental et émotif. C'est aussi essentiel pour la construction et la régénérescence des os, de la peau, la cicatrisation et tellement plus encore.
Sachez que dans la nutrition, il n'y a aucun aliment qui est miracle et qui va en faire des miracles sur votre santé si vous le prenez seul. Tout est une question de combinaison et de variété. Je vous propose une pâte à tarte avec de l'huile plutôt qu'avec un gras saturé comme la graisse végétale ou le saindoux. Pour la pâte à tarte ou la pâte brisée sans gras saturé, on va avoir besoin de 1,5 tasse de farine tout usage, plus un petit peu pour rouler notre pâte, 1 cuillerée à thé de poudre à pâte, 3 cuillerées à soupe de sucre ou bien 1 cuillerée à thé de sel, 1 cuillerée à thé d'extrait de vanille si vous faites une pâte sucrée, 3 cuillerées à soupe d'eau glacée, 1/4 tasse d'huile végétale et 1 œuf battu. La méthode, elle est pratiquement la même que si on utilisait un gras solide. Alors, dans un bol, vous allez mélanger tous les ingrédients secs et vous allez creuser un puits au centre. Dans un autre bol, je vais mixer l'huile avec la vanille, l'œuf et l'eau. On fouette ça comme il faut. Vous allez verser ça au centre de votre farine. Et on va ramener la pâte au centre comme ça, juste pour mouiller bien comme il faut. Une pâte à tarte, ça n'aime pas ça être trop travaillée. Je vais l'emballer bien comme il faut, la mettre au froid pendant 30 minutes pour ensuite venir la rouler, faire 2 belles abaisses. Je vais vous glisser quelques mots sur l'huile de palme et l'huile de palmiste. Il faut savoir que c'est le même fruit. L'huile de palme, elle est prélevée du fruit. L'huile de palmiste, elle est extraite du noyau. Et c'est surtout cultivé en Indonésie et en Malaisie. Et c'est très controversé comme culture parce que c'est très dévastateur pour la végétation. Il faut savoir que l'huile de palme vierge, elle est liquide et elle est orangée à cause des caroténoïdes qui est donc la vitamine A. C'est une huile qui est goûteuse et qui a 35 % de gras saturé quand elle est vierge. Quand on la raffine, on la décolore, on la désodorise, elle devient semi-liquide, blanche, presque sans odeur, presque sans saveur. Il n'y a plus de vitamine A là-dedans et on a augmenté les gras saturés à 50 % de l'huile. Quand l'huile de palme, elle est modifiée, on ne garde que la partie solide par des procédés chimiques et les gras trans montent à 75 % de ces gras-là. Dans les aliments transformés, on retrouve surtout de l'huile de palme modifiée. L'huile de palmiste, on ne la retrouve jamais vierge sur le marché. Elle est toujours modifiée et on parle de 80 % de gras saturé. C'est énorme. Alors, ma pâte à tarte, elle a passé une petite demi-heure au frigo. Alors, cette recette-là donne environ 2 abaisses. Alors, je vais couper ça en 2 et je vais la rouler comme je ferais une tarte régulière. Technique 101 de rouler une pâte à tarte, n'importe laquelle. On commence un petit coup en croix, poup, poup, et ensuite en haut, en bas, à gauche, à droite. En haut, en bas. On ne retourne jamais une pâte à tarte quand on la roule, parce qu'on ne veut pas faire rentrer trop de farine dedans pour qu'elle devienne dure.
L'huile de coco, quand elle est vierge ou extra vierge, elle contient beaucoup de gras saturé. C'est ce qui fait qu'à température ambiance, à 25 degrés au moins, elle est solide. Elle supporte des chaleurs élevées jusqu'à 350 degrés. Le goût et l'odeur de l'huile de coco, quand elle est vierge, on va retrouver vraiment le parfum de la noix de coco. Par contre, si elle est fractionnée, donc qu'elle est liquide quand vous l'achetez, elle est désodorisée, décolorée et elle supporte une moins grande chaleur que si elle était vierge. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas entrer dans un débat à savoir si c'est bon ou non pour la santé. Il y a des écoles de pensée et ces écoles de pensée-là se confrontent vraiment beaucoup. On ne s'entend pas toujours pour savoir si c'est bon pour la santé ou non. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que la majorité des études qui ont été faites sur les huiles de coco ont été commandées et commanditées par l'industrie et la fiabilité de ces études-là sont discutables. On va faire deux petites fentes. En fait, c'est des cheminées qui vont servir à évacuer la vapeur de notre tarte. Alors, c'est pour ça que c'est important de le faire. Je me suis fait un bel appareil pour fraise et rhubarbe pour mettre dans ma tarte. Ici, 2-3 tasses de fruits congelés que j'ai fait chauffer avec une tasse de sucre puis 2 cuillerées à table de fécule de maïs jusqu'à temps que ça boue pour que ça l'épaississe. C'est vraiment pas très compliqué. Vous prenez les fruits que vous voulez. Et dans une croûte à tarte, on ne met jamais de fruits congelés parce que le fond de votre tarte ne cuira jamais. Je vais utiliser un petit peu d'eau pour mouiller ma pâte à tarte, pour la coller. Dans ce cas-ci, comme il y a un œuf dans la pâte à tarte puis qu'il y a un œuf complet pour 2 pâtes à tarte, on ne sera pas obligé d'aller mettre de l'œuf dessus. Elle va dorer toute seule la tarte. On va venir la coller comme il faut. Le truc de la fourchette, pourquoi ça fonctionne bien, c'est qu'on vient vraiment comme croiser la pâte dans celle du dessus versus celle du haut, là. Fait que c'est pour ça qu'elle va très, très bien. On va couper notre surplus de pâte. Et voilà. Et on va aller faire un petit écho. Et je vais enfourner ça à 375, un bon 35-40 minutes dans le bas de votre four pour que le fond de la tarte qui supporte tous les fruits puisse cuire aussi. Quand on vous parle d'huile vierge ou extra vierge, on parle du goût de l'huile. On fait référence au goût. Mais pour qu'elle ait un goût léger ou extra léger, elle a donc passé un procédé de raffinage qui l'aura dénaturé. On va y avoir enlevé son goût, son odeur, son caractère. Par contre, ce procédé-là rend les huiles plus durables au niveau de la conservation. Elle rancisse moins vite aussi. Le goût est donc très atténué. Mais si je reviens aux huiles vierges et extra-vierges qui sont importées,
méprenez pas, elles n'ont pas le même goût que si on les avait goûtées dans leur pays d'origine parce que ces huiles-là ont voyagé beaucoup et elles ont donc toutes commencé à rancir quand elles arrivent sur nos tablettes. D'où souvent un goût très prononcé. Après être allés en Italie, c'est pas rare que des gens vont payer très cher leurs huiles d'olive dans des épiceries fines justement pour ne pas avoir le goût de rance qui est installé souvent dans nos huiles sur les tablettes d'épicerie. Pour le côté santé, on va privilégier des gras qui contiennent moins de gras saturés, mais pour le côté goût et cuisine, on y va avec l'utilisation qu'on veut en faire. Pour faire simple, toutes les huiles qui ont un point de fumée, c'est-à-dire que quand elles sont chauffées, elles se détériorent. Toutes les huiles qui ont un point de fumée de 177 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit, on les garde pour nos salades. Pour les huiles qui ont un point de fumée de 350 degrés Fahrenheit à 425-430 degrés Fahrenheit, elles, on va les utiliser à la poêle. Toutes les huiles que leur point de fumée est à 435 ou plus, elles sont bonnes pour la friture. Ceci dit, les huiles de friture et les huiles pour la cuisson à la poêle peuvent très bien faire les salades, mais pas l'inverse. Si vous avez à cuisiner gâteaux, muffins et pâtisseries, sachez qu'on va garder nos huiles à salade pour les salades et que quand ça a 350 degrés Fahrenheit de point de fusion ou plus, on peut les utiliser là, pour toutes nos belles pâtisseries. Pour vous faire une vraie vinaigrette de salade César, vous allez avoir besoin de un jaune d'œuf, une cuillerée à table de jus de citron, une gousse d'ail hachée finement, 3 quarts de tasse d'huile d'olive au goût léger, 2 cuillerées à table de câpre haché, une cuillerée à thé de pâte d'anchois ou 2 filets d'anchois hachés très fins et 3 cuillerées à soupe de fromage parmesan râpé fin. Pour la vinaigrette César, dans un bol, on va mélanger le jaune d'œuf, le jus de citron et l'ail. La sauce César, c'est le même principe que la mayonnaise. C'est une sauce qui est émulsifiée. Et le but de l'émulsion, c'est de mélanger un ingrédient liquide et acide. Ici, le jus de citron, c'est de le lier avec notre huile. Quand on fait ça, bien, dans le fond, c'est qu'il faut y aller doucement. Si vous mettez toute votre huile d'un coup dans ce premier mélange-là, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Alors, on fouette ça bien comme il faut et on va ajouter, pour commencer, au goutte à goutte, vraiment pas beaucoup à la fois, vous allez constater qu'au fur et à mesure que vous allez verser l'huile doucement, le mélange il va épaissir. C'est ça qu'on veut, ça va vous donner exactement la texture d'une mayonnaise. C'est d'ailleurs ce que c'est une mayonnaise. Il y a dans certaines huiles où est-ce qu'on ajoute des antioxydants qui sont des huiles minérales. La fonction de ces antioxydants-là, c'est qu'elles empêchent les huiles de se colorer ou de changer de couleur pendant le stockage et la commercialisation. L'utilisation de ces agents de conservation est controversée. On parle du BHA, du BHT. On pense qu'ils pourraient être cancérigènes. On a aussi également l'habitude de mettre de la vitamine E synthétique justement pour que les huiles soient « plus santé ». Il y a certaines compagnies qui ont aussi l'habitude de mettre de la vitamine E synthétique pour que les huiles soient plus intéressante sur le plan nutritionnel. Pourtant, la majorité des huiles qu'on utilise en cuisine ne portent pas la mention vierge ou extra vierge. C'est souvent des huiles raffinées qu'on utilise. Et voilà, c'est ce que ça nous donne quand on a émulsifié toute l'huile avec notre mélange du départ.
Bien sûr, moi, je l'ai fait au fouet à la maison. Ça se fait très bien à la mixette. Alors, à ça, j'ajoute mes câbres, ma pâte d'anchois. Pour ceux qui se demandent où trouver la pâte d'anchois comme ça, habituellement, dans la section de la poissonnerie, dans vos épiceries, là, vous devriez avoir ça là, sans problème. Je vais ajouter mon fromage parmesan, à peu près 3 cuillères à soupe. Le restant, je vais le garder pour mettre sur ma salade. On a une super belle sauce. Je vais poivrer parce que moi, j'aime ça poivrer. Et je vais goûter. Parce que dépendamment de comment vous aimez ça, parce qu'on a mis des anchois, c'est salé, parce qu'on a mis des carbes, c'est salé, et parce qu'on a mis du parmesan, c'est salé aussi, je vais goûter. Si je trouve que c'est pas assez salé, je vais en rajouter un petit peu, mais c'est rare qu'on ajoute du sel à la vinaigrette. Mm-mm. Pas besoin du tout. Cette vinaigrette-là, comme elle contient des anchois ou de la pâte d'anchois, on va conserver ça maximum une semaine au frigo. Par contre, si vous décidez de ne pas mettre cet ingrédient-là, vous allez pouvoir conserver ça 2 semaines facilement, toujours au frigo. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les informations et toutes les recettes s'y retrouvent. On se voit la semaine prochaine où on va parler des pommes. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.